ça manque de poignée quand même tout ça. Ah, c'est là que c'est explosé. Là. Alors. Pour l'instant, je vois pas grand-chose. Ça. Ouais. Espèce de coffre. J'ai pas regardé autour de moi. Ah, là il y a un truc là-bas. Alors, voilà. Il tire, clac, clac, clac. Mais pour l'instant, je peux rien faire avec. Ah, si, 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 il y a un autre truc d'énergie là. Ou à quatre poignées. Ok. Alors, il n'était sans doute pas prévu que nous nous rencontrions à ce moment. Le soleil se couche déjà, la nuit s'approche et je crains que le messager ne puisse livrer ma lettre. Si d'aventure tu parviens à te rendre à cet endroit et si tu observes bien attentivement toutes les indications que j'ai laissées, tu devrais pouvoir ouvrir la porte du temps. L'Oculus Tempus nous permet uniquement de regarder dans le passé, mais avec cette machine, il est aussi possible d'entrer dans le passé. Ils ont essayé de s'emparer de mon appareil, mais sans succès. Ils vont alors avoir besoin de toi pour modifier le passé en leur faveur. Si tu parviens à ouvrir la porte, agis rapidement, sinon la substance pourrait exploser. J'espère que nous pourrons nous rencontrer de l'autre côté. Flacon vide. Ok, là il y a la poignée, le truc il était au milieu. Ah, j'avais pas regardé le haut. Ok. Ça me fait penser à ça, non? Ok. Vis à bas.
Une poignée, une roue, ouais. Une boîte en bois. Je réfléchis. Là, j'ai vu, mais j'ai pas la poignée. Peut-être qu'en bas, je peux faire quelque chose avec. Là, il faudrait une poignée. Ok. J'ai pas compris. Est-ce que je dois les aligner ou pas? Parce que si je dois les aligner, c'est facile en fait. D'accord, je dois les aligner. Ok. Ok. La question, c'est, je sais pas où est-ce qu'il faut que je la pose, la boîte. Je suppose que dans la boîte, je dois trouver le machin qui est là. La fiole ira dans la machine, je suppose.
Ah, mais la boîte, elle va peut-être sur le bureau, en fait. Voilà. C'est pour ça. La lentille, ah, mais attends, la lentille. Elle va là, la lentille. Non? Je suis teubé en fait. Voilà. Il doit avoir un truc que j'ai pas bien saisi. Bon, bah, indice. Un liquide fluide coule du tuyau à gauche de la chaudière. Ah! D'accord. Ok. Donc je suppose que maintenant, il faut l'analyser. C'est ce qui me paraît très logique.
Ok. Des petits triangles. Objet médaille. Est-ce que ça serait le truc qui irait dans le 1? Possible. Non. Je réfléchis. Je vais pas prendre l'indice tout de suite, hein. Je vais essayer de réfléchir un peu de mon côté. Ça doit être en rapport avec le coffre, je pense. Où est-ce qu'il peut aller ce truc? Un médaillon. Je réfléchis, hein. Bon bah je vois pas où est-ce qu'on peut mettre le médaillon. Sur le bord droit de la table, il y a un drôle de verrou. Le bord droit de la table. Non, ça c'est à gauche. Ah. D'accord. Un levier. Irait là-dedans? Non. Ah, mais ça y est, le levier, c'est celui du 1. Ça y est, je commence à comprendre.
C'est un petit peu chiant parce que on voit pas forcément bien ce qu'on fait. Ah putain!
Ah bah voilà, enfin! Putain, ça a été galère. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors la maquette, je pense savoir sur quoi elle va. Sur l'espèce de petite catapulte qui est dans le machin qui vole. Ouais, dans le cube là, qui était dans le cube.